Salut, salut la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue une fois de plus sur notre chaîne préférée. Aujourd'hui, on se tamnote une nouvelle information du côté du Niger. La France poursuit son retrait du Niger et presque achevé le rapatriement de ses troupes. Niamey avait demandé un désengagement en septembre. On lève le camp, l'armée française poursuit son retrait du Niger et ses derniers éléments devraient bientôt rentrer au Bénin. Au 10 décembre, il ne restait plus que 180 soldats sur place sur les 1500 que comptait le contingent selon l'armée nigérienne. À ce rythme, le désengagement devrait être achevé le 22 décembre prochain, ajoutent les autorités. Un retrait tendu. Les relations entre le Niger et la France s'étaient notablement durcies après le changement du pouvoir à Niamey. Fin juillet, les nouvelles autorités avaient exigé le retrait du contingent français, mais aussi le rappel de l'ambassadeur Sylvain Ité, qui s'était illustré à quelques gaffes. Paris avait alors choisi le bras de fer, le président français Emmanuel Macron, refusant tout d'abord de négocier. La France avait finalement cédé et officialisé le retrait le 24 septembre, mais celui-ci s'est fait dans des conditions tendues. Les frontières terrestres fermées avec le Bénin et le Nigeria ont rendu la tâche difficile aux contingents français, par ailleurs confrontés à des soucis d'approvisionnement sur certaines bases. En parallèle de ce retrait, le Niger a également décidé de sortir du G5 Sahel, groupe censé aider à lutter contre le terrorisme. Le pays a préféré nouer une alliance sécuritaire avec ses voisins, maliens, burkinabés, pour tenter de mettre fin à l'instabilité dans la région. Restez toujours courtois en commentaire et respectez les règles de communauté. N'hésitez pas de liker la vidéo, de la partager.